Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog pour le premier jour à Coachella. On a rendez-vous à 9h45 pour aller à la villa et pour se faire, tresser les cheveux. Genre j'ai juste trop hâte parce que du coup qui dit Coachella dit forcément tresse dans les cheveux. Donc j'ai juste trop hâte et j'ai fait mon maquillage des yeux. Ah oui, je vous ai pas dit, genre j'avais préparé toutes mes affaires, tout bien etc. Et au dernier moment, genre hier quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que j'avais oublié mes pinceaux. Mais genre tous mes pinceaux, j'ai juste mon gros pinceau poudre que j'emmène toujours avec moi. Donc j'ai fait ça genre à, vous savez, aux petits pinceaux mousse qu'on trouve dans les palettes, c'était génial. Donc du coup voilà le programme de la journée et cet après-midi on va à Coachella, donc c'est trop cool. Bah écoutez, c'est parti, je vous emmène avec moi, je vous ferai un petit outfit of the day tout à l'heure parce qu'en fait ce que je comptais faire c'était porter deux tenues différentes. Une maintenant pour la villa que je voudrais, avec laquelle je voudrais prendre quelques photos et une pour tout à l'heure, enfin du coup pour cet après-midi pour le festival. Donc voilà l'état actuel de ma chambre, il y en a partout, mais je suis tellement genre perdue de ce que je veux mettre et de ce que voilà, de ce qu'il faut que je mette. Ça va être juste parfait pour cocher la soirée, on va montrer ça tout à l'heure. On a fait des petites vestes en jean comme ça qui sont trop mignonnes. Donc là maintenant que j'ai fait mes cheveux etc, je vais aller filmer une petite vidéo spéciale pour le festival. Et ensuite on va s'en aller, là je suis avec mon café parce que je suis en train de m'endormir littéralement. Mais il fait super beau ici, je sais pas si vous arrivez à voir le temps. Il fait trop beau, donc là on va utiliser les nouveaux produits Maybelline pour pouvoir créer un look. Et vous ne me voyez plus du tout pour le festival. Donc c'est parti. Je viens de finir de filmer cette petite vidéo sur comment réaliser ces petites lèvres là. C'est juste trop mignon et j'adore le look que ça donne. Donc là il va vraiment falloir que j'aille fixer mes petites fleurs parce que là elles sont littéralement en train de tomber. Bon, je me suis changée et là du coup je vais aller rejoindre les filles dans leur chambre pour qu'on se mette un peu des flash tattoos, vous savez, des trucs comme ça là, un petit peu partout sur le corps, et qu'on finisse de se préparer. Ensuite je pense que je repasserai dans ma chambre pour terminer ce que j'ai à faire, mais en fait on voudrait prendre des photos parce qu'il y a plein d'endroits trop mignons pour prendre des jolies photos. Je vous montrerai ma tenue juste après en fait, quand je serai là-bas. Et écoutez, on est en train de prendre des photos devant le Coachella Bound et devinez qui je viens de croiser en allant voir la chambre des filles. J'ai croisé genre Alicia Marie et sa sœur, donc je dis là genre what. Ces filles elles sont absolument partout, mais je pense que comme elles kiffent Coachella, ça m'étonnait même pas qu'elles viennent. Donc c'était genre trop drôle de les voir là, elles sont sapées, je vous dis même pas comment, genre à côté je me sens pas bien sapée du tout. Mais bon, c'était vraiment trop cool de pouvoir les croiser. Bon, ça y est, je suis enfin prête à partir. Donc là du coup j'ai retouché un petit peu mon maquillage. Donc je vais vous faire un petit outfit of the day. J'essaierai de vous en faire un autre quand je serai directement arrivée à Coachella. Faut que je fasse bouger ça d'ailleurs. Donc la lumière est pas terrible je sais, mais j'ai fait juste un dégradé de marron
sur mes yeux, plus un trait d'eyeliner, des faux cils. J'ai mis énormément d'highlight dans le coin de mon œil. J'ai un petit rouge à lèvres de chez Maybelline, c'est le nude, je sais plus lequel c'est, mais bon, bref, très mignon. J'ai un petit choker qui vient de chez Pull & Bear. Et ensuite, je porte une espèce de bralette en fait qui vient de chez Hollister, je crois, quelque chose comme ça. Donc, super cute. Et avec ça, je porte une jupe, elle est rose pâle, qui vient de chez Forever 21. Donc, en fait, elle est, vous savez, elle est un peu coupée au milieu, comme ça en fait, elle est comme ça. Voilà, et en fait à la base je voulais mettre mes sandales qui sont juste ici, à côté de mon jean. Et finalement il va y avoir tellement de poussière et tout que je me suis dit que j'allais mettre mes voilà, j'arrive plus à parler, mes superstars. Elles sont rose gold, je me dis que bon, de toute façon ça va pas vraiment se voir. Et pour marcher dans le désert je préfère largement ce genre de choses là. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, il y a une liste incommensurable de choses qu'on n'a pas le droit d'emmener à Coachella, genre des appareils photo. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas le droit, je montrerai la liste plus tard, je pense demain. Et en fait je vais essayer de rentrer avec mon appareil photo, mais je suis pas sûre de pouvoir y arriver. Dans tous les cas je vais quand même filmer avec mon iPhone. J'ai pris ma batterie rechargeable parce que là je suis genre à court de batterie. Donc voilà, je suis juste trop excitée. J'ai pas pris de veste pour ce soir, je devrais, mais j'ai pas la place dans mon sac parce qu'en fait je vais prendre ce petit sac là, qui est le sac que je vous avais montré dans mon haul, qui vient de chez Mango. Donc j'ai pas vraiment énormément de place. Et ça en gros c'est la liste des choses qu'on n'a pas le droit d'amener. Ça. Et ça c'est la liste des choses qu'on a le droit d'amener. Donc voilà, mais sur mon téléphone je n'ai plus de batterie. Je suis à 29%. Donc c'est voilà, c'est pas cool. Donc il est 15h15, j'ai rendez-vous à 15h30 pour aller au festival. Partir parce qu'on est juste tellement fatigué, c'est un truc de ouf, avec le décalage horaire on est mort. Moi j'ai pris des quesadillas au tofu, des frites, et on va juste attendre Lady Gaga et je pense qu'ensuite on va y aller.